à l'aube des années 70, vous cherchiez une voiture pour vous éclater sur circuit, vous aviez l'embarras du choix entre les Simcar Rally, les Golf GTI, les BMW 2002. Eh bien, on ne savait pas trop vers quoi s'orienter. Et certains avaient fait le choix de l'originalité avec une petite allemande, la NSU TT. En effet, cette voiture que vous voyez actuellement évoluer débarque dans Race Room pour, avec l'ensemble des livrets proposés, à peu près 2,50€ de crédit à investir. Et sincèrement, cette petite allemande, hein, qui est une propulsion de 120 chevaux et qui a un poids mini de 620 kg, avec son moteur 4 cylindres, devrait bien vous donner pas mal de plaisir en piste, surtout en multijoueur. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui permet énormément d'erreurs et on a hâte de voir ce qu'elle va donner sur la Nordschleife une fois cette piste disponible sur le jeu. En attendant, on vous invite à la tester parce que franchement, c'est une des voitures avec le meilleur rapport qualité-prix. Vous allez payer une livrée, vous allez payer un concept, une physique, un comportement, mais ça en vaut la peine. Sincèrement, j'ai testé cette voiture pendant quelques heures et j'ai pris vraiment mon pied à son volant. Une voiture qui paraît comme ça toute mimi, qui ne paie pas de mine, avec son arrière un peu en Fiat Abarth, avec son capot moteur relevé. À l'avant, vous avez voilà, quelques petits effets de tuning de l'époque, hein, de compétition, de préparation de piste. Mais une fois lâché, eh bien, avec une boîte en hache, et vous allez vraiment vous éclater, quoi. Franchement, c'est une voiture qui donne vraiment beaucoup de plaisir. Et elle est à tester sur des pistes difficiles et techniques. C'est pour ça qu'on est parti après du côté de Macao, vous allez voir. Cette voiture, sincèrement, est à posséder dans votre garage Race Room. Pour cela, direction la description de la vidéo pour eh bien, aller passer par la case store de Race Room pour l'acheter. Je vous laisse profiter de l'un des plus gros atouts de Race Room, bien sûr, c'est le son des moteurs. Bonne vidéo les amis, et on se retrouve très vite en piste pour de nouvelles aventures. Ciao.